Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, dans les années 2000 est sorti un film qui réunissait beaucoup de héros pour faire tout exploser. Et ce film, c'est pas Avengers, c'est Expendables. C'est une saga qui est sortie en 2010, écrite et réalisée par Sylvester Stallone, avec dedans Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Charlie Couture, Austin, Terry Crew, Mickey Rourke et Bruce Willis qui vient faire un petit coucou. En gros, bah voilà, ça raconte une bande de mercenaires qui doivent aller récupérer un autre gars dans un pays. Et ils font tout péter. Voilà, scénario, c'est très très simple, il tient sur un bout de post-it, c'est génial. Sauf qu'en fait, le premier, c'est le premier en gros qui devait un peu lancer la saga. Le premier est sympa, mais sans plus. Le truc, c'est que le film se prend beaucoup trop au sérieux, tandis que normalement, ça aurait dû être un gros délire où les personnages se balancent des vannes, où ils se font des références un peu à leur carrière. Ce qu'il essaye un peu de faire, justement, notamment avec la scène avec Bruce Willis et Schwarzy. Je suis un peu surbooké, alors refiler ce job à mon ami, car il adore s'éclater dans la jungle, pas vrai? Si, très bien. Bon. Si on allait dîner? Ouais, quand? Dans un millier d'années. C'est trop tôt. C'est quoi son problème? Il veut devenir président. Ensuite, en 2012, ils ont sorti Expendables 2, qui là est un gros délire. Là, franchement, Expendables 2, c'est vraiment mon plaisir coupable, que je peux regarder des centaines de fois, et il me fera toujours rire. Dans le 2, on a Stallone, Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crew, Couture, Liam Hemsworth, le frère de Thor, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et Schwarzenegger. Et là, le 2, t'as vraiment tout ce que le premier aurait dû avoir pour que ça marche. En gros, le 2 se balance des propres vannes. Les personnages, ils sont conscients un peu que c'est un peu des stars d'action. Donc, ils en jouent. Et le film, voilà, un très bon rythme. Bon, il est filmé un peu en mode Tekken 3. C'est sûr qu'à la fin, tu ressortes un peu la tête. Comme ça. Suite au succès du 2, on s'est dit, on va faire un 3. Alors, on a Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Grammer, je ne sais plus qui c'est, Charlie Couture, Terry Crew, Lutz, pas de celle Lutz, Rootsé, Powell, Ortiz, Davy, bon, il y a Mel Gibson, Harrison Ford et Schwarzenegger. Bon, le 3, le problème, c'est qu'en fait, il est très très long par rapport aux autres. Et le 3 est tout public. Tandis que les autres étaient interdits au moins de 12 ans, justement, un peu en référence aux années 80 avec les films très violents comme Predator, Die Hard, Terminator, tout ça. Stallone, après le 3, il s'est dit, bon, je fais une petite pause, je vais faire Creed, je vais faire un petit tour dans Marvel. Oui, Stallone est dans Marvel, faut pas l'oublier. Mais Expendables 4 a été annoncé avec, justement, à peu près le même casting que dans le premier. Je vais vous dire, moi, les gens que j'aimerais bien voir, les acteurs en tout cas, que j'aimerais bien voir dans Expendables 4. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, vous, qui vous pensez voir ou qui vous voulez voir dans Expendables 4. Alors, Samuel L. Jackson. Parce que Samuel L. Jackson, j'avoue que c'est le gars un peu qui manque un peu à l'appel. On sait pas pourquoi il n'a pas fait partie du projet, parce qu'il devait être sûrement dans Marvel. Mais là, vu que son contrat, normalement, dans Marvel, il est peut-être bientôt fini, il y a peut-être moyen, et ça serait énorme, de voir Samuel L. Jackson dans Expendables. Surtout qu'il claque plein de motherfucker. I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Kurt Russell, ça serait vraiment drôle, je pense, de le voir en méchant. Ou un peu une référence à New York 97. Ça serait énorme. Je sais pas pourquoi encore on n'y a pas pensé, mais Sigourney Weaver. Parce que bon, c'est qu'elle a quand même fait dans Alien, et Alien c'est quand même le film qui l'a fait découvrir, c'est un peu quand même le film où t'as quand même une femme qui nique tout. Ne la touche pas, sale pute! Tom Hardy, parce que Tom Hardy, on l'a très bien vu dans Mad Max, que c'est un très très bon acteur de film d'action, donc il n'y a pas de raison que Tom Hardy ne pourrait pas rejoindre l'équipe d'Expendables. Mais là en ce moment, il est aussi avec Marvel, avec Venom. Donc ça serait un peu compliqué. Angelina Jolie, parce qu'Angelina Jolie elle a quand même joué dans Lara Croft, et juste avoir un personnage justement un peu peut-être espion à la Mr. et Madame Smith ou Salt, ça pourrait être super. Tom Cruise, Tom Cruise s'il n'est pas occupé sur les missions impossibles, je pense que ça pourrait être super drôle, en plus ça serait le seul qui ferait ses cascades. James McAvoy, depuis Split et les X-Men, on sait pareil que il peut tout jouer. Et donc avoir James McAvoy dans l'équipe, peut-être en méchant, parce qu'il peut jouer les méchants. Et ça pourrait être marrant d'avoir peut-être un méchant qui est un peu schizophrène, qui est un peu un double de la personnalité. Ça. Le 4, ça pourrait être un gros délire. Denzel Washington, Denzel. Marky Mark. Aka Mark Wahlberg. Les films d'action, c'est un peu son truc. Il a quand même fait pas mal de films d'action, ou justement, type un peu Expendables. Donc, Marky Mark. Come on, come on, come on.
Mark Wahlberg, ça pourrait être énorme. Michael B. Jordan. Bah ouais, ça serait vraiment bien. En plus, on pourrait faire des petites références, je pense, à Creed et à Stallone, justement, que Stallone l'est un peu sous son aile, comme dans Creed, ça pourrait être super drôle. Keanu Reeves, bah là il est sur John Wick, mais Keanu Reeves, ça pourrait être énorme. Keanu Reeves, c'est quand même un gars des années 80-90, qui en plus fait ses cascades, donc il n'y aurait pas de raison. Et le dernier, que je pense que normalement, vous y avez tous pensé, c'est The Rock. Et je pense que The Rock, c'est le choix premier de Stallone pour pouvoir faire Expendables. C'est sûr et certain. Voilà, il a quand même fait la saga Fast and Furious avec Statham. Là, il a fait Jumanji. Il a fait Bienvenue dans la jungle, qui est pas la même chose. Je crois que The Rock, il faut au moins un film par an. En plus, c'est l'acteur le plus bankable d'Hollywood en ce moment. Donc, il n'y a pas de raison que The Rock, justement, ne soit pas dans Expendables. Pour l'instant, Expendables 4 va entrer en tournage dans pas très très longtemps. Là, pour l'instant, Rambo 5 est avant Expendables. Donc, on verra bien comment ça va se faire. Ok.